Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction du travail à la maison numéro 13. Ce travail à la maison, il est un peu particulier, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris chacun des chapitres qu'on a vus jusqu'à présent. Il y en a certains, certes, qu'on ne travaillera pas cette année à cause du confinement et de la situation actuelle, mais ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous le reverrez plus tard, vous le reverrez l'année prochaine. Mais donc du coup, j'ai pris chacun de ces chapitres et j'ai écrit les différentes questions, mais les questions les plus essentielles à chacun des chapitres. Alors, on commence tout de suite avec le chapitre 1, et dans ce chapitre 1, on va parler des nombres entiers et des nombres décimaux. Alors, écrire en lettres le nombre suivant, la première chose à faire, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement pour pouvoir le lire facilement, parce que là, ce n'est pas le cas. Faire en sorte de pouvoir faire des paquets de 3 chiffres, de la droite vers la gauche, 3, 3, 3, et ensuite 3, mais il n'y en a qu'un seul. Alors, du coup, ici, on est à des 1000, là, on est à des 100 000, des millions, là, on est plus qu'un million, on a milliards, donc il y a 3 468 411 957, virgule. Et puis, bah, ici, on ferait par paquet 3,35. Donc, on l'écrirait de la manière là. Alors, 3, on met toujours des tirets. Alors, il y a deux orthographes, mais. Donc, on est à milliards. Milliards, ça s'accorde, il y en a 3, donc on met un S. 3 milliards, 4. 100. 100 ne s'accorde que s'il est à la fin du mot. Ici, il est à l'intérieur, donc on ne met pas de S alors qu'il y en a 4 de 100. 460, attention, c'est un X. 468. 8 ne s'accorde pas. Donc on est à des 468. C'est quoi? C'est des millions. Millions, ça s'accorde. Millions. Ensuite, on est à 400. Pareil, encore une fois, le 100 ne s'accorde pas parce qu'il n'est pas à la fin de l'écriture en lettres de ce nom. 411, c'est des quoi? Bah, c'est des 1000. 1000 ne prend jamais de S et ne s'accorde jamais. C'est un mot qu'on appelle invariable. 1957, 9. 100, il ne s'accorde pas parce qu'il n'est pas à la fin. 957, virgule. Et puis ensuite, virgule 35. Bingo! Voilà l'écriture en lettres de ce nom. Deuxième question, décomposer 3468,42. Alors, décomposer, c'est quoi? Bah, c'est écrire autrement ce nombre-là. Ce nombre-là, on peut l'écrire de la manière suivante. On va décomposer chiffre par chiffre, mais en écrivant une écriture qui va être égale à celle-là. Alors, si on commence, 3, c'est le chiffre des quoi? 3, c'est le chiffre des 1000. Donc, j'ai donc 3 1000. Donc, j'ai donc 3 fois 1000. Je mets entre parenthèses. En plus, j'ai quoi? J'ai 4. 4, c'est 4 centaines, donc c'est 4 fois 100. 6, c'est le chiffre des dizaines, donc j'ai plus 6 fois 10. 8, c'est le chiffre des unités, donc j'ai 8 fois 1. Ensuite, 4, c'est le chiffre des dixièmes, donc j'ai plus 4 dixièmes, donc 4 fois 1 dixième. Et 2, c'est le chiffre des centièmes, donc j'ai plus 2 fois 1 centième. Ok. Ensuite, on nous demande d'écrire ce nombre-là sous la forme de son écriture fractionnaire. Alors, en fait, ce qu'il se passe, c'est que si je décide de placer ce nombre dans un tableau, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que ce nombre-là a, eh bien, en fait, il a tout ça. Donc, 3, 4, 6, 8, 4, 2, c'est-à-dire 346 842. Il a 346 842 quoi? Eh bien, la position du dernier chiffre, ce sont des centièmes. Donc, il a 346 842 centième. Maintenant, si on décide de l'écrire correctement en écriture fractionnaire, eh bien j'ai 346 842 centièmes, donc sur 100. Ok, notre écriture fractionnaire est terminée. Troisième question. Le chiffre des centièmes de ce nombre-ci. Alors centième, il y a des yèmes, donc c'est après la virgule. Dixième, centième. Donc du coup, c'est quoi? C'est 9. Je vais l'écrire comme ça, 9. Quel est le chiffre des dizaines? Eh bien, les dizaines, j'entends pas les yèmes, donc c'est avant les virgules. Unité dixième, donc le chiffre des dizaines, c'est 7. Le chiffre des unités de 1000, ou bien le chiffre des 1000, ou bien le chiffre des 1000, donc unité dizaine centaine, donc là j'ai 6 centaines, mais j'ai 2000, donc j'ai le chiffre des 1000, c'est 2. Le chiffre des dixièmes, je suis après la virgule, j'ai qu'un seul, c'est 2. C'est le premier chiffre après la virgule. Et le chiffre des unités, bon, c'est le premier qui est avant la virgule, c'est 9. 4. Ranger dans l'ordre décroissant les nombres suivants. Alors, je vous rappelle que décroissant, c'est du plus grand au plus petit. C'est parti. Alors, le problème, c'est que
Bon, si je regarde les trois premiers nombres, c'est 10, quelque chose, donc j'ai rien à dire. Ce que je peux tout de suite dire, c'est que 9,4, c'est le plus petit. Pourquoi c'est le plus petit? Bah parce que c'est 9, quelque chose. La première chose qu'on commence à faire, c'est d'abord comparer la partie entière, c'est-à-dire ce qu'il y a avant la virgule. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, bah 9,4, c'est le plus petit. Donc ça va être le quatrième, le dernier, puisqu'ici on le fait dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. Ok. Mais le problème, c'est que ces trois nombres-là, eh bien, dans les trois cas, leur partie entière, c'est 10. Donc en fait, on va pas pouvoir comparer tout de suite. Alors il y en a certains qui vont me dire, mais regardez monsieur, en fait, si, bien sûr que si, on peut comparer. Parce que là, j'ai 10,01, 10,39. Bah 39, c'est plus grand que 0,1. Vous avez raison. Donc lui est plus grand que celui-là. D'accord? Donc ça veut dire que bah, s'il est plus grand, il va être avant. Donc je vais écrire 10,39. Je vais écrire 10,01. Donc celui-là, on l'a placé. Celui-là, on les a placés, mais on ne sait pas trop quelle est leur position. Par contre, celui-là, 10,4. 10,4, il est comment par rapport à 10,01? Bah, vous allez me dire, bah, c'est 4, donc c'est plus grand que 0,1. C'est vrai. Mais 10,4, c'est comment par rapport à 10,39? Et là, il y en a certains qui vont dire, bah, monsieur, 4, c'est plus petit que 39. Donc lui, il est plus petit que celui-là. Eh bien, c'est faux. Parce qu'en fait, 10,4, c'est la même chose que 10,40. Lequel des deux est le plus grand? Bah, c'est obligatoirement 10,40. Donc en fait, faites hyper attention. Quand vous comparez des nombres décimaux, qu'est-ce qu'on fait? On met toujours le même nombre de chiffres après la virgule, quitte à rajouter des zéros inutiles. Donc le plus petit, c'est 9,4. Celui qui est juste avant, c'est le troisième, c'est 10,01. Le premier, donc le plus grand, c'est 10,40. Et celui qui est juste après en deuxième position, c'est 10,39. Alors, je pourrais mettre des points-virgules entre chacun de mes nombres pour pouvoir les différencier. Mais là, on veut ranger dans l'ordre décroissant. Alors, dans l'ordre décroissant, on peut utiliser le symbole, soit celui-là, soit celui-là. Là, 10,40 est plus grand que 10,39. Il est supérieur, et là, j'ai un petit égal, donc on lit ce symbole-là, supérieur ou égal. 10,39 est supérieur donc, ou égal, donc est plus grand ou égal à 10,01. Et pareil, voilà, je viens de ranger mes nombres dans l'ordre décroissant. Enfin, donner l'abscisse du point E en l'écrivant correctement. Alors, l'abscisse, il faut d'abord, c'est comme la carte d'identité d'une lettre, d'un point qu'on a placé sur un axe. Cet axe-là, il est horizontal, c'est ce qu'on axe l'axe des abscisses, parce que horizontal à abscisse. Donc E, sauf que l'abscisse, on va lire, alors, certains vont me dire 4, 5, 6. Alors le problème c'est que si c'était le cas, c'est-à-dire qu'une gradation c'est unité. Donc là je serai à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah, c'est pas possible, là c'est pas 13, c'est 4. Donc ça veut dire que ici, quand je passe de là à là, je ne rajoute pas une unité. Alors on peut essayer. 4, 4,1, 4,2. Alors regardons. 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Attention, ne me dites pas 3,10 parce que c'est pas 3,10, c'est 3,9. Et je rajoute un dixième, ça me donne 39 dixièmes, ça passe à 40 dixièmes, 40 dixièmes, ça fait 4. Donc oui, en fait, pour passer de l'un à l'autre, je rajoute 0,1. Donc là, je suis à 4,1. Ici, je suis à E, à 4,2. Sauf que bah, ça, c'est pas la manière avec laquelle on écrit l'abscisse. L'abscisse, ça se met entre parenthèses, c'est une notation, vous n'avez pas le choix. Placez le point A d'abscisse 3,15. Eh bien, alors ici, je suis à 3,1. Ici, je suis à 3,2. Bah attendez, 3,15. Donc ici c'est 3,10 et là c'est 3,20. Ah bah 3,15 c'est où? C'est ici, c'est entre les deux. Le point A se situe là. J'avoue, j'ai été méchant. Pourquoi? Parce qu'il se situe pas directement sur une graduation. Faites attention, hein. Il y en a qui m'ont sûrement fait 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est totalement faux. Là, vous m'avez placé 4,5. C'est pas ce qu'on veut placer. On veut placer 3,15. Pour ce premier chapitre, c'est déjà terminé. On passe maintenant au chapitre numéro 2. Ce chapitre numéro 2, on va faire un petit peu de géométrie puisqu'on va parler des cercles et des premières constructions, notamment des triangles. Alors, la première question, ou plutôt la question numéro 6, on va devoir réaliser un programme de construction. Pour ce faire, on va avoir besoin de différents outils de géométrie. On va avoir besoin d'une règle, peut-être d'un compas, peut-être d'un rapporteur, et aussi et surtout, un crayon à papier bien taillé. Première question, enfin première partie.
Tracer le cercle de centre O et de rayon 3 cm. Alors je commence par placer mon point O et ensuite on nous demande de tracer un cercle de rayon 3 cm. Pour tracer un cercle, j'ai besoin d'un compas, donc je prends ma règle. Le rayon c'est 3 cm, donc je viens piquer et faire un écartement de 3 cm. Super. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, tout simplement de mettre la pointe du compas sur le point O, d'exercer la pression sur le point O et petit à petit de tourner tout en gardant la pression. C'est un coup de poignet qui se prend. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, parfois, ce qui se passe, c'est que le compas, en fait, il se décale un petit peu. Surtout si on a un compas qui est pas super bien, comme c'est le cas pour le mien. Hop. Voilà. Je l'ai fait un petit peu décalé. Je vais effacer ça et ensuite on continue. Alors, je vous rappelle qu'en géométrie, il faut toujours essayer de faire attention d'être le plus précis possible. Donc ça, c'est notre cercle. On peut l'appeler si on le souhaite, mais c'est pas demandé, ainsi stylisé, parce que c'est notre cercle de centre O et le rayon, c'était 3 cm. On nous demande ensuite de placer un point A sur le cercle. Alors, je vais placer un point A au pif. Puis de placer un point B, je vais par exemple le placer là, on ne nous donne pas d'informations. Puis on veut tracer le segment AB, donc on va venir prendre notre règle et on va tracer ce segment. Voilà, donc ça s'arrête des deux côtés. Ici j'ai un mur. Tracer le cercle de diamètre AB. Alors, quand on trace un cercle, ce dont on a besoin, c'est quoi? C'est le diamètre ou le rayon? Ben, c'est le rayon. Donc si on nous demande ici de tracer le cercle de diamètre AB, est-ce qu'on va venir prendre AB comme rayon? Ben non. Du coup, la question qui se pose, c'est la suivante. Comment faire pour trouver le rayon, sachant qu'on a le diamètre? Ben, ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que le rayon, c'est comment par rapport au diamètre? C'est plus petit, c'est même 2 fois plus petit. Donc le diamètre est 2 fois plus grand. Ok. Eh bien, ce que je peux faire, c'est quoi? Eh bien, c'est trouver le milieu du segment. Si j'ai le milieu du segment, j'ai là où se situe le centre de mon cercle. Alors, du coup, ici, le segment AB mesure combien? 0, 4,2 cm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le milieu, c'est 2,1 cm. Je fais donc un trait à 2,1 cm. Hop. Je vais l'appeler I par exemple, parce que souvent I c'est le milieu. Et puis ensuite, ben, je veux tracer le cercle de, certes, de diamètre AB, mais si le diamètre c'est AB, le rayon c'est quoi? Ben, c'est par exemple AI. Je viens poser et prendre mon écartement. Et puis ensuite, ben, j'essaie d'être le plus précis possible. Hop, et c'est parti. Alors, juste que je le place bien, ma pointe en I. Et ensuite, c'est parti. Je vais essayer de pas trop appuyer. Oh, c'est pas évident avec ce compas-là. Évidemment, tous mes compas sont en classe. D'ailleurs, je retourne demain encore. Enfin, du coup, vous allez voir cette vidéo vendredi. Normalement, ce matin, je serai au collège pour être formé un petit peu par rapport à tous les gestes barrières et tout. Ça va faire bizarre d'y aller. Je ne suis pas retourné depuis très longtemps. Et hop, on a notre deuxième cercle. Alors ici, on ne passe pas par le point O. Il y a peut-être certaines personnes, ça va passer par le point O. C'est juste un coup de chance. On a notre deuxième cercle. Notre deuxième cercle, on peut, si on veut, l'appeler C', avec un petit apostrophe juste à côté. Ok. Question 7, on va la faire juste à côté. Alors, dans cette question, c'est quelque chose de différent, puisqu'ici, on nous demande de construire un triangle ABC, tel que on a les trois longueurs, AB, AC et BC. Alors dans l'aide que j'ai écrit juste en dessous, c'est que évidemment, avant de construire un triangle, eh bien la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est faire un schéma avec les codages. On aurait pu d'ailleurs le faire ici, mais pour les triangles, pas le choix. Alors un triangle ABC, est-ce qu'il est quelconque? Alors on regarde les longueurs. Déjà, il n'est pas rectangle, donc il n'y a pas l'angle droit, ok? Ici, on voit que dans les trois longueurs, il y en a deux qui sont égales. Eh bien un triangle qui a deux longueurs égales, c'est un triangle qu'on appelle isocèle. Alors il s'appelle ABC, j'ai AB qui vaut 6 cm et AC qui vaut 6 cm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6, 6, le point A il est tout en haut. A, B, C, BC vaut 4 cm. Okay. Bon bah maintenant j'ai plus. Maintenant que je sais à quoi il ressemble, que j'ai mes codages, mes lettres et mes longueurs, je n'ai plus qu'à tracer. Alors je vais commencer d'abord par tracer le segment BC qui mesure 4 cm, mais en soi je commence par tracer le segment que je veux. Le point B est ici, le point C est ici. Je fais des petits traits pour les repérer. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, bah pour tracer un triangle isocèle, bah je vais prendre un compas, je vais faire hop, hop, deux petits arcs de cercle. Ça va me permettre de pouvoir représenter un point qui va être à la même distance de B que la distance de C. Je vous rappelle qu'un cercle, c'est quoi? C'est tous les points qui sont à une même distance d'un point. Alors, je pourrais tracer tout mon cercle, sauf qu'on n'en a pas besoin, on a juste besoin de ce petit bout-là.
On avait tout, encore 6 cm, donc en fait je garde le même écartement puisque le segment AC mesure aussi 6 cm. Bingo. Bah, une fois que j'ai fait ça, maintenant il ne me reste plus qu'à terminer. Je vais prendre ma règle. Le point qui est ici, c'est-à-dire le point d'intersection, c'est le point A. Je trace mes deux segments. Et ce côté-là ont même longueur, donc je rajoute mon côté. Alors je pourrais effectivement réécrire les 3 longueurs. Généralement, on a tendance à pas le faire. Je pense que j'ai assez de place pour pouvoir réaliser la question 8 sur ce bas de page. Construire le triangle VLG, triangle et rectangle en V. Donc si les rectangles, on va commencer par faire un schéma d'un triangle rectangle, ok. Il s'appelle VLG, alors il est angle en V, donc l'angle droit est en V. Ensuite j'ai LG, donc là je viens de rajouter le codage, je viens de rajouter de nommer mes sommets. LG vaut 5 cm, d'accord, et VL vaut 3 cm. Nous, on ne connaît pas la longueur VG. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais bon, peut-être que ça doit être normal. Alors, on va commencer par tracer un segment qu'on connaît. Alors, bon, commençons par tracer. Alors, deux choix. Soit je commence par tracer LV, soit je commence par tracer LG. Alors, sachez une chose. Si vous commencez à tracer LG, vous allez pas forcément réussir à tracer votre triangle. Donc je vous conseille de commencer par LV. De toute façon, au pire, on essaye, et si ça ne fonctionne pas, on verra. Alors, LV, 3 cm. Le point L est ici, le point V est ici. Ensuite, ce que je sais, c'est quoi? Ce que je sais, c'est que si je veux tracer, placer le point G, je vais d'abord avoir LG qui va mesurer 5 cm. Donc ça veut dire que bah, je vais devoir prendre mon compas, effectuer un écartement de 5 cm, vous ne le voyez pas, mais là je suis en dehors de l'écran et je viens de faire mon écartement de 5 cm. Je viens de placer sur le point L parce que c'est LG qui mesure 5 cm et je fais mon arc de cercle. Pourquoi est-ce que je fais mon arc de cercle que de ce côté-là? Parce que je vois que le point G il est à peu près ici. D'où l'intérêt de faire un schéma. Maintenant il ne me reste plus qu'à terminer. Parce que le problème c'est que le point G il est quelque part là-dessus. Maintenant, la dernière info qu'on veut, c'est quoi? C'est bah, c'est le VG. Mais est-ce qu'on connaît la longueur VG? Non. La dernière information qu'on n'a pas utilisée, parce que ça, on utilisait, c'est quoi? C'est l'angle droit. Ça veut dire qu'il y a un angle droit en V. S'il y a un angle droit en V, quel outil de géométrie on utilise pour un angle droit? On utilise l'équerre. Donc, je vais venir positionner l'équerre sur le segment LV. Hop, elle est bien positionnée. Je descends jusqu'à V. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire tout simplement que ici, je viens tracer. Et en fait, le point G se situe où? À l'intersection entre mon arc de cercle et bah, en fait, ce que j'ai tracé, c'est-à-dire ma demi-droite. Je termine mon triangle. Mon triangle est un triangle rectangle, donc surtout, je rajoute mon angle droit. Voilà, on a terminé. Alors, l'arc de cercle ainsi que le trait qui sont là sont des traits de construction. Est-ce qu'on doit les effacer? Ne les effacez pas. Laissez vos traits de construction en évaluation ou autre, ou même en devoir à maison, ou même en exercice. À la limite, si vous faites un devoir à la maison, où le but du jeu c'est ensuite de bien colorier et de faire quelque chose de très propre, vous pouvez dans ce cas-là le retirer. Mais de manière générale, je vous conseille très vivement, gardez-les. Alors maintenant, on continue avec le chapitre numéro 3. Ce chapitre numéro 3, on traitait bah, une grosse partie des opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication. Alors la question 9, je ne sais pas pourquoi est-ce que je passe de 9 à 11, visiblement j'ai un petit peu du mal à compter. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je fais 9, 11, 10, 11, 12, bon bref, tant pis. Question 9. Le résultat d'une division est le produit. Vrai ou faux? C'est faux. Le résultat d'une addition est la somme? C'est vrai. Le résultat d'une division est le produit? C'est faux. Pourquoi? Parce que le résultat d'une division, c'est le quotient. Donc celle-là est bonne. Ensuite. Le résultat d'une addition est la différence. Ben non, on vient de dire que c'était la somme. La différence est le résultat d'une soustraction. Le résultat d'une multiplication est le produit. C'est vrai. Alors pourquoi est-ce que le résultat d'une addition, c'est la somme? Parce que quand on paye quelque chose, c'est qu'on a payé plein d'articles qu'on a ajoutés dans notre panier. Donc c'est la somme. La différence d'âge. Si je veux que j'ai 20 ans et que quelqu'un a 10 ans, ou 15 ans plutôt, la différence d'âge, c'est 20 moins 15, donc 5 ans. Soustraction. Pourquoi est-ce qu'on appelle pour la multiplication un produit? J'avoue, j'ai pas l'explication. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un quotient pour une division? Même chose, j'ai pas l'explication. On passe du coup à la. Bah, je sais pas comment je vais l'appeler du coup. Bah, je vais l'appeler 9 bis. C'est comme pour les noms de rue. 9, 9 bis, 9 terre. Thomas doit acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa maman. Il décide donc d'aller dans une boutique de cadeaux et achète un rouleau de papier cadeau à 2,50 euros.
4 boîtes à 3,15 euros, donc des boîtes l'unité, ça veut dire qu'une boîte coûte 3,15 euros, et un nounours en peluche de 13 euros. Bon, j'ai écrit ce qui me passait par la tête, m'en voulais pas. Arrivé à la caisse, je paye, enfin, il paye un billet de 50 euros, combien lui rentre? Alors, déjà, je vous rappelle que quand on est face à un exercice ou à un problème, on doit, au brouillon, travailler avec trois colonnes. Une première colonne qui correspond à quoi? Bah, qui correspond tout simplement en fait à notre brouillon. Une deuxième colonne qui correspond à notre calcul posé. Et une troisième colonne qui correspond à notre rédaction. Alors notre brouillon, ici, on va l'utiliser très rapidement. Ensuite, on fera nos calculs posés là-dedans. Et enfin, on terminera. Non, les calculs posés, on ne les utilisera pas aujourd'hui. Alors, brouillon. Donc, on veut savoir combien il lui rend. Bah, avant de savoir combien on lui rend, faut d'abord savoir combien il va payer. Alors, lui, il paye quoi? Il paye un rouleau de papier cadeau. Alors, rouleau de papier cadeau, ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est 2,50 euros. Ensuite, il paye aussi 4 boîtes. Alors, 4 boîtes, d'accord? Mais chaque boîte coûte combien? Bah, si c'est 4 boîtes à 3,15 euros, ça veut dire que l'unité, ça veut dire que c'est 3,15 euros pour une boîte. Donc si j'en ai 4, c'est 3,15 fois 4. Enfin, il paye un nounours en peluche. Alors, m'en voulez pas, voici mon super bel nounours en peluche, super beau nounours en peluche à 13 euros. Bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir calculer combien il va payer? Bah, je vais faire tous mes calculs et puis ensuite, je vais tout additionner. Ok, et bien maintenant, c'est parti au niveau de la rédaction. Première chose, de toute façon, c'est toujours en trois étapes. On dit ce qu'on fait, on écrit le calcul en ligne et ensuite, on conclut. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on calcule combien Thomas va payer. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire ça? Eh bien, on va faire notre calcul. On va faire 2,50 euros plus les 13 euros de la peluche plus les 3,15 euros d'une boîte que je multiplie par 4. Alors, je peux poser mon calcul, c'est tout à fait possible. D'abord, je fais ma multiplication et ensuite, je vais effectuer mes additions. Ou bien, je peux aussi utiliser la calculatrice. Là, mon objectif n'est pas de poser le calcul, donc je vais tout de suite le faire avec une calculatrice ou plutôt avec un ordinateur, puisque j'ai mon ordinateur à côté de moi. Le résultat, c'est quoi? C'est 28,1, c'est-à-dire 28,10 euros. Donc, du coup, il paye donc 28 euros et 10 centimes. Sauf que, est-ce que c'est la réponse à notre question? Bah non, nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien on lui rend, puisqu'il paye avec un billet de 50. Donc il ne nous reste plus qu'à terminer. Ça veut dire qu'on va devoir recommencer en trois étapes. Alors qu'est-ce qu'on va faire du coup? Eh bien d'abord, on va dire ce qu'on cherche à calculer. Donc bah du coup, on calcule combien on lui rend. Alors, cette phrase n'est pas très très française, mais on peut se le permettre, comme ça au moins c'est clair. Ensuite, le calcul que je vais faire, bah, s'il paye 28,10 euros, comment je vais faire pour savoir combien il y a jusque 50? Eh bien, je vais faire une différence. La différence d'argent, c'est ce qu'en fait ce qu'on lui rend. Je fais 50 euros moins 28,10 euros. Et si je fais ce calcul-là maintenant, ça me donne combien? Ça me donne 21,90 euros. Eh bien, on lui rend donc 21 euros et 90 centimes. Bingo. Eh bien, nous, ce qu'on attend de vous, en tant que professeur, c'est que vous soyez capable de rédiger ça en fin de sixième et en cinquième. 10. Rédiger les étapes de calcul. Alors, 5 plus 3 fois 2 moins 10 moins 7. Les quatrièmes ont fait exactement un truc comme ça, mais juste un petit peu plus compliqué. Première étape, dans les priorités opératoires, y a-t-il des calculs entre parenthèses? Oui, donc je l'ai fait. Je commence donc par faire comme calcul 10 moins 7. 10 moins 7, ça me donne 3. Une fois que j'ai fait ça, je réécris tout ce que je n'ai pas utilisé. Cette ligne-là, elle est égale à cette ligne-là, donc j'écris un égal devant. Ensuite, y a-t-il des calculs entre parenthèses? Non. Y a-t-il des multiplications, divisions? Oui. Je vais faire mon 3 fois 2, ça me donne 6, puis je réécris tout ce que je n'ai pas utilisé. Mon égal devant. Y a-t-il des calculs entre parenthèses? Non. Y a-t-il des additions, des multiplications, des divisions? Non. Y a-t-il des additions, soustractions? Oui. Donc je fais de la gauche vers la droite. 5 plus 6, ça nous fait 11. Je réécris tout ce qu'il me reste. Dès qu'y a-t-il des calculs entre parenthèses? Non. Des multiplications, divisions? Non. Des additions, soustractions? Oui. Je fais 11 moins 3. 11 moins 3, ça me donne combien? Bah 3 pour aller à 10, ça me fait 7. Et après, il me reste 1. Donc au total, mon résultat, c'est 8. Bon, bah finalement, en fait, quand je prends les choses une par une,
Ben, ma question 10, elle était très simple. On continue avec la vraie question numéro 11 maintenant. Calcul mental. 0,943 fois 100. Alors, quand je multiplie par 10 100 000, ou quand je multiplie par 0, 0, 0,1, 0,01, etc., je vais changer ma virgule de place. En fait, c'est pas ma virgule que je change de place, c'est mon nombre que je décale soit vers la gauche, soit vers la droite dans mon tableau. Si je le décale en fait vers la gauche, je le rends plus grand. Si je le décale vers la droite, je le rends plus petit. Alors, 0,943 fois 100. Si je multiplie le nombre de départs ici par 100, mon résultat est-il plus petit ou plus grand? Bah, il est plus grand. Ok. Mon résultat, je vais décaler ma virgule de 2 rangs. Mon résultat, c'est donc 84, un rang, 2 rangs, 84,3. Ensuite, 178,09 fois 10. Même chose, si je multiplie par 10, je décale ma virgule de 1 rang. Alors mon résultat est-il plus petit ou plus grand que ça? Il est plus grand, donc ma virgule, je vais la décaler vers la droite. Donc du coup, 1, 7, 8, 0,9. Vous voyez, je n'ai pas réfléchi. Mon résultat est bien plus grand, je ne me suis pas planté. Ensuite, 124,3 fois 0,01. Je multiplie par 10 100 000 ou bien par 0,1, 0,01, etc. Donc je vais déplacer ma virgule. Alors là, la question, c'est de combien de rangs? Je vais la déplacer de 2 rangs. D'accord. Eh bien, essayons. Alors, je vais faire un premier test. Je vais d'abord la décaler de 1 rang vers la droite, puis d'un deuxième. Ça veut dire que ma virgule se retrouve ici. Mon résultat serait donc 12 430. Bah, le problème, c'est que si 124,30 on multiplie par 0,01, c'est-à-dire un truc plus petit que 1, eh bien votre résultat il va être plus petit ou plus grand que votre nombre de départ? Plus petit. Donc ça veut dire que ma virgule, eh bien je ne la décale pas à la droite, je décale de 2 rangs vers la gauche. J'ai donc 1,243. C'est bien plus petit que mon nombre de départ. Bingo, j'ai terminé. Question numéro 12. Alors, je vais un petit peu vite, mais c'est des choses qu'on a déjà fait. Je vous conseille de retravailler les premiers travaux à la maison qu'on a fait dans les questions flash, également de reprendre les questions flash qu'on a fait en classe là-dessus. 12. Un ordre de grandeur de 1648,34 fois 19. Un ordre de grandeur, c'est quoi? Eh bien, je vous rappelle tout simplement que c'est une valeur approchée du résultat. Valeur approchée, on est en train de faire les courses par exemple, et puis on achète, c'est un exemple, d'accord? Je sais que c'est pas la réalité, mais on achète 19 télé à 1648,34 euros par télé. Bon bah, combien est-ce que je vais à peu près payer? Combien est-ce que je dois avoir dans mon porte-monnaie pour pouvoir m'acheter mes 19 télé? Bizarre, mais en fait c'est ça. Alors, 29 c'est à peu près combien? 29 c'est à peu près 20. Oui, 20 c'est ça. 1648,39, c'est à peu près combien? Alors, il y en a certains qui vont me dire 2000. Moi, j'aime bien 2000 parce que faire 2000, donc ça, c'est à peu près égal à 2000 fois 20. Et faire 2000 fois 20, bah, c'est simple. Alors, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 0. 2 fois 2, 4. Voilà, mon résultat, c'est 40 000. J'ai fait mes paquets de 3. 40 000 euros. Il y en a d'autres, et je vais prendre une autre couleur pour faire ça, qui vont faire un autre calcul. Ils vont me dire que 1648, c'est à peu près 1000. Ouais, à peu près, hein. 19, c'est à peu près 20, ça c'est le plus logique. Et 1000 fois 20, bah, c'est encore plus simple. 1000 fois 20, c'est la même chose que 20 fois 1000 qui fait 20 000. Donc mon résultat, il est à peu près de 20 000 euros. Ouais, bah, c'est pas mal. Pas mal. Moi, je dirais que le plus intelligent, ce serait de dire que 1648, c'est à peu près 1500. 1500 fois 20, ça fait à peu près 30 000. Bon, bah là, je viens vous donner trois ordres de grandeur différents. Y en a-t-il un bon et les autres faux? Non. Ces trois ordres de grandeur sont tous parfaitement corrects. Il peut y avoir, pour un même calcul, plein d'ordres de grandeur. Par contre, faites juste attention. Si vous me donnez le résultat exact, vous n'avez pas fait un ordre de grandeur, ce que vous faites, c'est faux. Si vous me faites 1648 fois 20, bah, c'est vachement compliqué ce que vous faites, hein. Vous n'allez pas faire deux têtes à moins que vous soyez un dieu en calcul mental. Non, le but du jeu, c'est essayer de faire en sorte d'avoir un calcul qui est rapide à faire de tête, sans calculatrice, et surtout sans avoir à le poser. Alors on continue et on va terminer avec nos quatre derniers chapitres. Je sais que ce travail à la maison est un petit peu long, mais je préférais le faire en une seule fois plutôt qu'en plusieurs travails à la maison. Chapitre 4, droite perpendiculaire et droite parallèle. Alors, on va réaliser la question 13 ici. On a un programme de construction, comme tout à l'heure, qu'on va devoir effectuer.
Alors, premièrement, placer un point A et un point B. On ne nous dit pas où, c'est parti. Ok. Vous voyez que j'ai fait une petite croix parce que bah, mon point n'était placé sur rien du tout. Tracer la demi-droite AB, il y a un mur en A, donc je ne vais pas continuer après A. Par contre, il y a un bouclier en B, mais le bouclier, bah, ça traverse par l'intérieur. Ok. Placer un point C sur le segment AB. Attention, sur le segment où je suis entre mes deux doigts, bah, par exemple, je vais le mettre ici. Tracer la droite perpendiculaire à la demi-droite AB qui passe par le point C. Comment faire? Je vais tracer une droite perpendiculaire. Une droite perpendiculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un angle droit. Je vais donc utiliser mon équerre. Je viens placer mon équerre perpendiculairement à la demi-droite AB. Et ensuite, je vais la glisser tout en gardant mon équerre aligné jusqu'à ce que ça touche le point C. Bingo! Une fois que j'ai ça, je tiens mon équerre. Je viens tracer mon bout de droite perpendiculaire, sauf qu'elle n'est pas complétée. Donc maintenant, je vais faire quoi? Bah, je vais la prolonger. Elle passe par le point C, c'est une droite perpendiculaire. Je rajoute mon petit carré, mon codage. On peut l'appeler par exemple petit D. Ensuite, question numéro 14. On va continuer sur une nouvelle feuille pour avoir assez de place. Sur cette question, on doit tracer un carré de côté 5 cm qu'on appelle ABCD. Bon, bah ça, c'est simple, on sait ce que c'est qu'un carré. Alors, je vais commencer 5 cm. Ok. Alors, A. Le point A est ici, le point B est là. Ensuite, un carré à 4 angles droits. Donc, je vais prendre mon équerre, je vais effectuer un trait perpendiculaire, un segment perpendiculaire à mon segment AB qui mesure 5 cm. Mon point C se situe donc ici. Puis ensuite, je vais recommencer en traçant un segment perpendiculaire au point C, segment de 5 cm. Mon point D va donc se situer ici. Et ensuite, bah, je vais terminer, mais normalement, en fait, c'est déjà le cas. Je vais tracer mon dernier segment qui mesure lui aussi 0,5 cm. Ok. Bah, je peux rajouter quoi maintenant? Je peux rajouter mes codages, c'est-à-dire mes angles droits. C'est un carré, donc je peux rajouter le fait qu'il y a les mêmes longueurs des quatre côtés. On continue. Tracer la diagonale du carré AC. Alors la diagonale du carré AC, c'est quoi? Bah, en fait, c'est tout simplement la diagonale. Il y en a une ici, c'est AC, donc c'est le segment AC. Une deuxième, c'est le segment DB. On nous a demandé AC, donc c'est tout. Tracer la droite parallèle à AC passant par le point B. Première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, c'est bah, d'essayer de voir à quoi elle correspond, notre droite parallèle. Parce que tout à l'heure, tracer la droite perpendiculaire à la droite AB passant par le point C, on voyait tout de suite comment elle était. On voyait tout de suite que, je reprends ma feuille, que si ma droite elle était comme ça, ma perpendiculaire elle était comme ça, et puis elle passait par C, donc elle était ici. Là, c'est plus différent, c'est plus compliqué. Alors, ma droite parallèle, elle est parallèle à AC, donc les droites parallèles elles sont comme ça. Et moi, je veux qu'elle passe par le point D. Non, par le point B. Donc c'est pas par là, c'est par là, jusqu'à ce que je passe par là. Donc voilà à quoi ressemble ma droite parallèle. Maintenant, comment faire pour tracer une droite parallèle? J'ai besoin de mes outils de géométrie. J'ai besoin d'une règle et d'une équerre. Pour tracer une droite parallèle à la droite AC, je vais d'abord placer mon équerre perpendiculairement. Alors, hop, je place mon équerre perpendiculairement. Alors que je la mette de ce côté-là ou de ce côté-là, bon, franchement, ça nous est égal, ça ne change rien. Donc je vais la mettre ici, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai un mur. Ça, vous ne le voyez pas. Hop! J'ai placé mon équerre perpendiculairement. Ensuite, je prends ma règle. Ma règle, je viens la positionner en vérifiant que mon équerre est toujours bien placé perpendiculairement contre mon équerre. Et en fait, regardez ce qu'il se passe. En fait, ma règle, maintenant, elle est perpendiculaire au segment AC. En fait, en bougeant mon équerre, qu'est-ce qui se passe? Je viens tracer ici, 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 plein de droites parallèles. Jusqu'au moment où je passe par le point B. Bingo! Je commence à tracer une partie de ma droite, puis ensuite je fais quoi? Eh bien, je retire ma règle et je la prolonge. Je viens de tracer la droite. Cette droite-là est parallèle à la droite AC. Elle passe bien par le point B. Donc, j'ai exactement fait ce qu'on nous a demandé. On en demande de rajouter le fait que cette droite s'appelle grand D, entre parenthèses. Voilà à quoi correspond la construction de notre question numéro 14. Bon, bah, pour ce chapitre 4, c'est terminé. On passe désormais au chapitre 5 sur la division. Alors, première chose à faire, c'est de poser la division décimale 147, pardon, 147 divisé par 5. Alors, si c'est une division décimale, ça veut dire qu'on veut avoir le résultat exact. On ne veut pas de reste. Le reste doit valoir 0. Alors,
D'abord, dans 1, combien de fois 5? 0 fois, donc soit j'écris 0, soit je ne fais rien, je n'écris rien. Puis dans 14, combien de fois 5? Je peux mettre 2 fois. 2 fois 5, 10, donc je viens soustraire 10, il me reste 4. Puis je descends mon 7. Dans 47, combien de fois 5? Je peux mettre 9 fois, parce que 9 fois 5 donne 45, c'est ce qui se rapproche le plus de 47. 47 moins 45, il me reste... Pardon. Oui, 47 moins 45, il me reste 2. Alors si je m'arrête là, ça veut dire que mon quotient c'est 27, mon reste c'est 2, mon diviseur, c'est-à-dire ce par quoi j'ai divisé, c'est 5, et mon dividende, ce que j'ai divisé, c'est 147. Mais nous on veut une division décimale. Là c'est une division euclidienne, je n'ai pas de virgule, j'ai un reste. Ben, on continue. Alors, dans 2, combien de fois? Ben, donc, je peux pas, donc en fait. Je vais rajouter un 0 inutile. Donc là, je mets une virgule. Je descends mon 0 inutile. Dans 20, combien de fois 5? 4 fois. 4 fois 5, 20. Je viens soustraire 20. Il me reste 0. Donc mon reste est bien nul. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que mon quotient, c'est exactement 29,4. Ok. Mais ben, en fait, c'est la valeur. On peut écrire que 147 divisé par 5 est égal à 29,4. 29,4, c'est la valeur exacte de notre quotient. Question 16. Arrondir à l'unité 13,48. 13,58. Bah, si j'arrondis à l'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux que... Alors, est-ce que je veux des chiffres après la virgule? Bah non. Bah, du coup, 13,58. Alors, je veux pas ce qu'il y a après. Le 8, c'est plus grand. C'est 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça veut dire que je vais le retirer. Je vais rajouter 1 à ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que mon 5 devient 6. Mon 6, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9. Donc, comme je ne veux pas de chiffre après la virgule, je le retire et je rajoute 1 à ce qu'il y a avant. Donc, ici, ça devient 14. Et ben voilà. Mon premier résultat, arrondi à l'unité. L'arrondi de 13,58, arrondi à l'unité, c'est 14. 164,974. Eh bien, on continue. Je veux l'arrondir au centième. Alors, dixième, centième, je veux deux chiffres après la virgule. Mon 4, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc il est plus petit que 5, donc en fait je l'enlève, c'est tout, je ne fais rien. Au centième de 164,974, c'est 164,97. Enfin, l'arrondi au dixième, dixième, je suis après la virgule, j'en ai qu'un seul, le chiffre après la virgule de 941,155, c'est quoi? Alors ici 5, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, donc à chaque fois je prends les chiffres qui sont après. Donc du coup, eh bien c'est plus grand que supérieur ou égal à 5, donc du coup je viens rajouter 1 ici, si ça devient 6. 6, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, donc je vais en rajouter 1 à ce qu'il y a avant, 2, ça me devient 2, et puis c'est le chiffre qui m'intéressait. Et bien mon résultat, c'est donc 9, 4, 1,2. L'arrondi au dixième de 941,155, c'est 941,2. 17. Si vous ne vous rappelez plus comment on réalise ça, ce que je vous conseille, c'est de reprendre le travail à la maison, numéro... Alors, je vérifie donc pour ne pas dire de bêtises. Je crois que c'est le travail à la maison, numéro... Alors, c'est pas le 10. C'est pas non plus le 9, parce que le 9, on a commencé les angles. Le 8, on a commencé les angles également. Le 7, on a aussi fait des angles. Le 6, eh bien, c'est pas le 6 parce que le 6 on a fait de l'arithmétique. Le 5, c'est pas le 5. C'est pas le 4, c'est le 3. Donc si vous voulez retravailler ça, je vous invite à recommencer le travail à la maison numéro 3. Si vous l'avez déjà fait, bah, ça pose aucun problème. De toute façon, ça vous permettra au contraire de vérifier que ce que vous avez fait, c'était correct. Question 17. 1470 est divisé par 2. Eh bien, critère de divisibilité par 2, il se termine par 0, 2, 4, 6, 8, donc oui, par 3. Alors, critère de divisibilité par 3, il est un peu particulier, j'additionne tous les chiffres. 1 plus 4, ça donne 5. 5 plus 7, 12. 12 plus 0, 12. Alors, 12, est-ce que c'est dans la table de 3? Oui. Ah bah ça veut dire que 1470 est divisible par 3. Ensuite, critère de divisibilité par 5. Bah, un nombre qui se termine par 0 ou 5 est divisible par 5, donc ici c'est notre cas. Critère de divisibilité par 9. Bah, il ressemble à celui par 3. J'additionne tous les chiffres et je regarde si le résultat est dans la table de 9. On a dit que la somme de tous les chiffres c'était quoi? 4 plus 1 ça donne 5, 5 plus 7, 12, 12 plus 0, 12. Est-ce que 12 est dans la table de 9? Non. Donc 1470 n'est pas dans la table de 9. Enfin, par 10, eh bien, un nombre est divisé par 10 se termine par 0, donc évidemment, là, bon, oui. Question 18.
Bon, bah pour cette question numéro 18, c'est un petit problème. Un problème, on a besoin de quoi? On a besoin de nos trois colonnes. On a besoin de notre colonne brouillon, de notre colonne calcul posé, de notre colonne rédaction. Alors la colonne calcul posé, on ne la fera pas non plus. Pourquoi? Parce que calcul posé, on en a déjà fait avant et ce n'est pas l'objectif de cette question-là. L'objectif, c'est quoi? C'est le raisonnement. Alors, c'est parti. On ne regarde pas l'aide. Pour une représentation de théâtre, on dispose de 350 sièges. D'accord? Pour préparer la salle, on décide d'en mettre 6 rangées de 20. Donc tout devant, je mets 6 rangées de 20. Là-dedans, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc si j'ai 6 rangées de 20, ça veut dire que j'ai quoi? Ça veut dire que j'ai 6 fois 20 sièges. Donc ça veut dire que j'ai 120 sièges là-dedans. On peut faire un calcul intermédiaire. Et ensuite, des îlots de 12 sièges. Un îlot, deux îlots, trois îlots, quatre îlots, cinq îlots, six, sept, huit. En fait, on ne sait pas combien on va en mettre, hein, mais on va en mettre un certain nombre, en gros, comme ça. Après tout, si ça trouve sur ces îlots, il y a des tables, par exemple. C'est des îlots de 12 sièges, où il y a une table au milieu, un peu comme dans certains cabarets, pour que les personnes puissent manger ou boire un verre pendant qu'ils regardent la représentation de théâtre. Bon, je vous avoue, le théâtre, ça n'arrive pas généralement d'avoir des personnes qui mangent. Mais... Ouais, mais comment on fait pour savoir? Ce que nous, on sait, c'est que dans tout ça, alors j'ai fait un nombre au pif de petits ronds, de petits îlots, on dirait un champignon, c'est génial. Mais ce qu'on sait là-dedans, c'est quoi? C'est que il y a îlots de 12 sièges. D'accord? Et ce qu'on sait, c'est que au total, donc toute notre pièce, donc tout ça, c'est combien? 350 sièges. Ok. Nous, on veut savoir combien d'îlots. Donc, point d'interrogation. Ok. Bon, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est quoi? La première chose qu'on peut dire, c'est ce que j'avais mis dans l'aide, c'est que si on veut savoir combien j'ai d'îlots là-dedans, la première question que je peux me poser, c'est combien je vais avoir de sièges juste dans mes îlots. Si j'ai 120 sièges dans les rangées devant et j'en ai 350 au total, ça veut dire que dans mes îlots, je vais en avoir combien au total de sièges? 350 moins 120, c'est-à-dire 230. Je vais donc avoir 230 sièges qui sont juste là-dedans. Et puis après, dans les 230 sièges, on va se poser la question, combien il y a d'îlots? Alors du coup, première chose, on calcule combien il y aura au total de sièges dans les îlots. Alors du coup, comment est-ce qu'on va faire ce calcul? On a dit que dans les îlots, d'abord la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait 6 fois 20, ce qui nous devait donner 120 sièges. Allez, on peut rajouter même une petite chose, on peut mettre devant. Et puis après, on a fait quoi? On a fait un deuxième calcul en ligne, donc on va l'écrire juste en dessous, on ne l'écrit pas à côté. Ensuite, j'ai fait 350 moins 120. Ça nous a donné 230 sièges. Et donc du coup, notre phrase réponse, c'est quoi? Il y a donc 230 sièges répartis en îlots. Sauf que notre question n'est pas combien il y a de sièges répartis en îlots. Notre question, c'est combien est-ce qu'il y a d'îlots et combien est-ce que de sièges on n'utilise pas. Donc on va devoir continuer. C'est ce qu'on a fait juste avant. Ça, c'était notre première partie de raisonnement. Mais notre deuxième partie de raisonnement, c'est quoi? Maintenant qu'on sait, comme je l'avais fait sur mon schéma, que là-dedans, dans ma patate qui est juste ici, dans ça, il y a 230 sièges. Et que je fais des groupes de 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux partager 230 en des paquets de 12. Comment on fait pour effectuer un partage? On effectue une division. Donc ma division, ce sera 230 divisé par 12. Donc dans le calcul posé, ce sera 230 divisé par 12. Si on décide de poser ce calcul, ça va nous donner combien? Eh bien en fait, ici, moi je ne veux pas la valeur exacte du quotient, puisque dans notre question, on veut le reste, c'est-à-dire le nombre de sièges qu'on n'utilise pas. 230 divisé par 12, ça nous fait 19. Sauf qu'il reste, du coup, il reste un reste. Ce reste, c'est combien? Ce reste, c'est... Alors, je fais le petit calcul. 230 divisé par 12, on a dit qu'il y en avait 19. Ok. Et si maintenant je fais... Voilà, il nous en reste 2. Alors maintenant, on a oublié juste de faire la phrase d'avant, donc on calcule
Combien il y aura d'îlots? On pourrait même dire, on calcule combien il y aura d'îlots, puisque en partageant 230 sièges en 12, en des paquets de 12 sièges. Et donc, conclusion, il y aura donc 19 îlots de 12 sièges en fait, et il en restera 2. Et ces deux-là, en fait, ce sera des sièges qui ne seront pas utilisés, non utilisés. Voilà, on a deux étapes de raisonnement. On pourrait dire même trois, si on compte le petit calcul qu'on a fait au tout départ. Eh bien, ces deux ou trois étapes de raisonnement, il faut qu'elles soient bien présentes dans votre rédaction. Allez, on continue. Je sais que c'est un petit peu long, mais comme ça, au moins, on a une correction qui est bien complète et j'ai donné un maximum d'explications. On continue avec la question 19. Enfin, du coup, ça devrait plutôt être la question 18, mais visiblement, je ne sais pas compter. Angle et triangle. Alors, tracer la demi-droite MI. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de placer un point M et un point I. En M, ça s'arrête, puisque j'ai un mur en I, j'ai un bouclier, donc je continue au travers. Ok. Ensuite, tracer l'angle OMI, mesurant 68 degrés. Alors, tracer un angle, je vais avoir besoin d'un autre outil de géométrie qui s'appelle le rapporteur. Alors, je vous rappelle, moi, je ne peux qu'utiliser mon rapporteur circulaire parce que je n'ai pas un demi-circulaire. Ça, c'est un rapporteur circulaire. Les demi-circulaires, bah, ils sont tous au collège. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est tracer l'angle OMI mesurant 68 degrés. Alors, juste une petite chose. L'angle, je vous rappelle qu'il y a un sommet. Ce sommet, c'est ce qu'il y a au milieu de notre chapeau, donc c'est le point M. Donc genre j'ai O ici, j'ai I, M ici, et là mon angle c'est 68 degrés. Ok, et eh bien c'est parti. Ça veut dire que d'abord j'ai deux côtés de l'angle. Et eh bien sur le premier côté de l'angle, sur M, le côté MI que je connais, je vais venir placer mon petit trait. Ok, mais mon petit trait de telle manière à ce que mon centre, mon rapporteur, aille sur le sommet de mon angle. C'est bon. Hop, c'est bon. Ensuite, je commence à lire à 0. Alors, du coup, ici, je commence à 180, donc c'est pas là. 0. Et ensuite, je lis 68 degrés. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67, 68. Je fais un petit trait ici. Alors, moi, ça sort de ma feuille, mais c'est pas grave. Je vais faire exprès de ne pas bouger ma feuille. Puis ensuite, je prends une règle. Et je vais venir tracer. Voilà. Je peux donc maintenant rajouter quoi? Eh bien, je peux rajouter que ici, cet angle-là fait 68 degrés. Pour les angles, on a souvent tendance à réécrire sa mesure. Placer en point le point O, bah, le point O, on sait qu'il est là-dessus. On ne sait pas trop où, donc on le place. Vous voyez quelque chose de significatif, c'est que ici, bah, ça ressemble pas trop à notre dessin, à notre construction. Bah, c'est normal. Un schéma, c'est juste pour avoir une idée rapide de ce à quoi ça ressemble. Si ce n'est pas vraiment représentatif, franchement, c'est pas grave du moment que j'ai les lettres, les codages, les mesures. Et que ça ressemble à un minimum. Voilà, ça ressemble à un angle. Construire le triangle Pou tel que. Et après, on a trois mesures d'angle. Ben, d'accord. Trois mesures d'angle. Et ben, c'est parti. Alors, le problème, c'est que ici, dans notre question numéro 20, est-ce qu'on nous donne des longueurs? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va commencer par tracer un schéma à main levée. Alors, mon triangle Pou, on n'a rien dit de spécial. Tiens, d'ailleurs, au niveau des angles, est-ce que j'ai un angle droit? Bah, j'ai pas d'angle de 90 degrés, non. Est-ce que j'ai deux angles qui sont égaux? Ou trois angles qui sont égaux? Non. Donc, c'est un triangle quelconque. Ok? Alors, triangle Pou. Alors, UPO, donc c'est en P. Cet angle-là mesure 84 degrés. En O, donc c'est l'angle POU, il mesure 50 degrés. Et en U, c'est OUP, il mesure 46 degrés. OUP ou bien PUO. Eh bien, comme on ne connaît aucune longueur, bah, avant de commencer, on doit tracer un segment. Bon, bah, commençons par tracer le segment OU. On ne nous donne pas la longueur de ce segment. Bah, du coup, on n'a pas le choix. Enfin, si, on a le choix. Moi, j'ai décidé de prendre OU qui vaut 4 cm, mais quelqu'un d'autre aurait pu prendre 5 cm, quelqu'un d'autre aurait pu prendre 7 cm. Au final, en fait, bah, on s'en fiche. On ne nous donne pas la valeur, donc ici, bah, c'est à nous de le déterminer. J'avoue, j'ai peut-être été un petit peu bête. J'aurais peut-être dû vous donner une valeur parmi les trois. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, bon, bah, je place O, U. Puis je vais commencer par tracer un premier angle. Je vais tracer d'abord
l'angle qui est ici de 50 degrés. Donc je viens placer le sommet, ce sera le point O. Hop là. Un angle de 50 degrés, 0, 10, 20, 30, 40, 50, je suis ici. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer mon premier, enfin mon deuxième côté de l'angle. Puis je continue. Je vais ensuite tracer l'angle qui est ici de 48 degrés. Donc le sommet, c'est le point U. Je suis ici. Donc je viens placer mon sommet ici, sauf que ça ne va pas parce que le côté qui est en noir doit être dessus. Bingo. Je commence à lire à 0. 0, 10, 20, 30, 40, 45, 46. Je suis ici. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, c'est très épuré. Je fais juste des petits traits. Eh bien, je viens venir prolonger. Je vais venir, pardon, prolonger. Bingo. Alors j'ai deux bouts qui dépassent. Pas grave du tout. Ici, je viens donc d'obtenir mon point P. Je vous l'ai dit, on n'efface pas les traits de construction. On a tendance pour les angles à venir réécrire les différentes mesures d'angle. D'ailleurs, on observe que si j'additionne mes trois angles, ça vaut 180 degrés, ce qui est normal, puisque dans un triangle, quel que soit le type de triangle, la somme des angles vaut toujours, toujours, toujours 180 degrés. Puis voilà, on a terminé. Alors en fait, la seule différence entre moi et ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir le même triangle avec les mêmes angles, mais en plus petit. Ou bien le même triangle avec les mêmes angles, mais en plus grand. Ça dépendra juste de la longueur que vous avez pris pour le premier côté que vous avez tracé. Dernière question de ce chapitre. Construire le triangle AMN, isocèle en M. Ah bah tiens, ça je sais faire. Je vous rappelle, on fait toujours en schéma. Il est isocèle en M, donc AMN, voici à quoi ressemble notre joli triangle. J'ai quasiment terminé maintenant. Tel que ces deux angles à la base valent 70 degrés. Ok? Ok. Hein. Comment on va faire? Ah, parce que ces deux angles à la base ils valent 70 degrés, d'accord? Mais combien vaut AN? Est-ce qu'on nous a donné une longueur? Non. Ah, bah en fait, on est dans le même cas qu'avant. J'aurais été bête, j'aurais dû vous le donner. Bon, bah on va choisir une longueur pour AN. Alors, vous voulez combien? On a pris 4 avant? Bah tiens, on va reprendre 4 de nouveau. A, de 1 jusqu'à 5. Alors, du coup, le point A, le point N. Ensuite, bah, je vais venir tracer l'angle de 70 degrés qui est ici, puisqu'on a dit que les deux angles à la base, si mon triangle est isocèle en M, les angles à la base, c'est l'angle en A et l'angle en N. En A, je vais tracer, je commence à 0, un angle de 70. Après, ça devient automatique, hein, vous voyez, il n'y a même presque plus besoin de réfléchir. Ensuite, en N, un angle de 70. 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70. Bingo. Mon point M est donc ici. Je rajoute mon codage. Je rajoute mes deux mesures d'angle. Bingo. Tiens, on avait dit que le triangle était isocèle. Vérifions. Je commence à 0. Je vais jusqu'à 5,8. Je commence à 0, je vais jusqu'à 5,8. Bingo, nous ne sommes pas trompés. Notre construction, elle est parfaitement correcte. Ok, eh bien pareil, vous allez avoir le même triangle, mais soit plus petit, soit plus grand. Alors juste une petite question supplémentaire. Quelle est la mesure de l'angle qui est ici? Combien vaut l'angle A, M, N? Eh bien ce qu'on sait, c'est que dans un triangle, la somme des angles vaut combien? 180 degrés. Sauf que nous, on a déjà deux angles de 70, c'est-à-dire au total 140 degrés qui sont déjà pris. Donc bah, ici, c'est le complémentaire. C'est 180 degrés moins 140 degrés. Donc l'angle AMN vaut quoi? Il vaut 40 degrés. On aurait pu faire ce calcul et utiliser cette mesure d'angle pour pouvoir tracer notre figure. C'est quelque chose qui aurait été tout à fait possible. Allez, on termine. Dernier chapitre de ce travail à la maison, on aura bien bossé. Chez moi, il est 21h57. J'espère que vous avez assez de visibilité. Chapitre 7. Pourquoi est-ce que je le tourne aujourd'hui? Parce que demain, je vais au collège. Donc demain matin, j'aurai pas le temps de le faire. Alors, 22. Calculer l'aire d'un rectangle de longueur 7 mètres et de largeur 25 décimètres. Alors, schéma. Rectangle. Largeur. Non, longueur 7 mètres. Largeur 25 décimètres. Alors, bah, l'aire c'est quoi l'aire d'un rectangle? L'aire c'est la longueur fois la largeur. La longueur vaut 7 mètres, mais la largeur, le problème c'est que si je fais ça, je veux les mêmes unités. Or, 7 mètres c'est des mètres, et 25 décimètres c'est des décimètres.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ici, je vais mettre un attention, il faut ici convertir avant de pouvoir faire mon calcul. Donc je vais convertir 7 mètres en décimètres, par exemple. 7 mètres, c'est quoi? C'est 70 décimètres. Donc en fait, ma largeur vaut, pardon, ma longueur vaut 70 décimètres, ma largeur vaut 25 décimètres. Donc mon R vaut quoi? Eh bien, au total, elle vaut 70 fois 25. 70 fois 25, ça fait 1750. On n'oublie pas l'unité décimètre. Mais c'est une aire. Décimètre, c'est une longueur. Une longueur, c'est un périmètre. Donc ici, c'est décimètre carré. Pourquoi? Parce que la surface d'un appartement, c'est des, par exemple, des centimètres carrés, décimètres carrés, etc. 20, plutôt mètres carrés. 24. Construire ensuite son périmètre. Bah, même chose. Parce que ici, bah, le périmètre, c'est quoi? Bah, j'additionne tout. Donc en fait, c'est 7 mètres plus 25 décimètres plus 7 mètres plus 25 décimètres, puisque le périmètre, c'est la longueur du contour. Bon, bah, je fais mes calculs. Problème, c'est qu'encore une fois, je n'ai pas les bonnes unités. Donc ici, mon 7 mètres, il faut que je le traduise en 70 décimètres. Pareil ici. Maintenant que j'ai les mêmes unités, ben, je peux terminer. Alors 70 plus 25, ça nous fait 95. 95 plus... Ah bah tiens, on peut être plus intelligent. 25 plus 25, ça fait 50. 70 plus 70, ça fait 140. Et 140 plus 50, ça nous fait 190 décimètres. 190 décimètres, d'ailleurs, on pourrait le traduire, ça nous fait 19 mètres. Eh bien, j'ai donc un périmètre de 19 mètres. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, tout simplement que la longueur du contour de mon rectangle est de 19 mètres. On continue, j'avoue, je commence à être plutôt fatigué. Question 24. Calculer le périmètre d'un cercle dont le rayon est de 2 mm. Bon, bah, un cercle de rayon 2 mm. Je commence d'abord par tracer ma petite figure. Ok. Bon, ben, 2 mm, c'est vraiment petit. Bah, de toute façon, le périmètre d'un cercle, c'est une formule. Alors, là, petit truc que je veux vous dire, mais que les troisièmes connaissent, que les quatrièmes connaissent, puisque je leur dis à tous. Vous avez, ici, c'est ma bulle avec un cœur, parce que c'est ma bulle. Bah, franchement, si vous connaissez ça, c'est déjà pas mal. Vous allez en avoir besoin pour le brevet. Vous connaissez deux formules. Soit 2 fois pi fois r, soit pi fois r au carré. Et là, souvent, eh bien, on ne sait plus laquelle c'est pour le périmètre et laquelle c'est pour l'air, puisqu'après tout, dans les deux cas, il y a r et dans les deux cas, il y a pi. Ouais. Sauf que le périmètre et l'air, c'est totalement deux choses différentes. Donc, si vous vous plantez, ben, c'est ballot. Comment faire pour savoir laquelle est laquelle? Le périmètre, c'est une longueur. Une longueur, son unité, c'est des mètres. Oui. Une aire, son unité, c'est des mètres carrés. Oui. Ah ben voilà. Ben, ça veut dire que là où j'ai mon carré, c'est mon aire. Et que l'autre, c'est mon périmètre. Donc le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois r. Je remplace 2 fois pi fois le rayon ici, c'est 2 mm. Et puis ensuite, ben, ici, je dois utiliser ma calculatrice. Si j'ai fait 2 fois pi fois r, une valeur approchée plutôt, c'est quoi? Environ 12,566, etc. Bon, je vais faire à peu près 12,6. On n'oublie pas l'unité. Ici, j'avais des millimètres, donc c'est millimètres. Mon périmètre, c'est une longueur, donc ça reste juste 12,6 mm. Par contre, si je veux calculer l'aire d'un disque dont le rayon est 2,3 mm, bon bah maintenant, la formule pour calculer l'aire, c'est quoi? C'est pi fois le rayon au carré. Le rayon, on le connaît déjà. Le rayon, c'est combien? C'est 2,3 mm, donc 2,3 au carré. Et bien maintenant, si je fais mon calcul, vous voyez que c'est simple une fois qu'on connaît son cours. Fois 2,3 au carré. Une valeur approchée, c'est combien? 16, à peu près. 16,6190. Bon, allez, si j'arrondis au dixième, ça fait 1,6 unité. Alors, j'avais des millimètres. Sauf qu'ici, on est sur une aire, donc c'est des millimètres carrés. Allez, 26, je vais la faire ici. L'aire d'un triangle rectangle, tiens d'ailleurs, je dis juste une petite chose, hein. Ici j'aurais pu refaire un schéma avec un rayon ici de 2,3 mm. 26. Quelle est l'aire d'un triangle rectangle? Ok. Dont le plus grand côté mesure 10
Les deux autres, 8. Donc le 8 et 6. Ok? Bon, bah, si on veut calculer l'aire, l'aire d'un triangle rectangle, c'est quoi? Eh bien, l'aire d'un triangle, quel que soit le type de triangle, c'est la base fois la hauteur. Donc la base, c'est 8. 8 fois la hauteur, c'est 6. Sauf que si je fais 8 fois 6, le problème, c'est qu'en fait, je fais ma longueur fois ma largeur, c'est-à-dire je calcule l'aire d'un rectangle. Le triangle rectangle, c'est la moitié. Donc tout ça, je viens de diviser par 2. Eh bien, si je fais mon calcul, 8 fois 6, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42, 6 fois 8, 48. 48 divisé par 2, ça fait 24. L'unité ici, c'était quoi? C'était des centimètres. Donc ça me fait 24 centimètres. Mais attention, ici, c'est une aire, donc c'est des centimètres carrés. Bingo. Question numéro 27. Quelle est votre chanson préférée? Eh bien, j'attends que vous me la donniez, cette chanson préférée. Ça m'intéresse de savoir laquelle c'est. Moi, personnellement, j'ai beaucoup écouté du Orelsan. Il y a San de Orelsan que j'aime beaucoup. Mais je dirais que celle qui me représente le plus, c'est peut-être une chanson de L'Homme Pâle. La chanson, je sais pas si, hein, je pense pas qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, mais la chanson, évidemment. Parce qu'il y a pas mal de paroles qui me parlent et tout. Après, j'écoute beaucoup de rap. J'écoute aussi pas mal d'électro. Enfin, j'écoute vraiment de tout. Je suis persuadé que dans ce que vous allez m'envoyer, il y en a plein que je connais. Je pense qu'on va bien se marrer.